Salut à tous, c'est Bizbiz. Alors, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur les transferts. Comme j'ai dit, la dernière journée, voilà, chaque fois, la dernière journée du mercato, c'est où il y a le plein de transferts. Donc, j'ai encore réussi à remettre une deuxième équipe. Donc, c'est parti, les gars, je vais vous montrer à qui. Donc, Mangala, les gars, le défenseur de City, voilà, Guardiola, voilà, il vient d'arriver à City, il compte pas sur lui. Donc, Mangala, en fait, il est prêté à Valence pour un an, voilà, c'est sûr. Ensuite, c'est qui? Ça sera Konoplyanka. Donc, Konoplyanka, le milieu gauche de Séville, en plus regardez sur FIFA, il est très rapide, 93 de vitesse. Donc lui les gars, il a été prêté un an à Schalke 04 en Allemagne, donc Konoplyanka en Bundesliga. Ensuite les gars, c'est Gabriel Barbosa, donc sûr, il y en a plein qui ne connaissent pas, mais lui en fait il a fait les Jeux Olympiques avec le Brésil, voilà, c'était le buteur, j'en suis sûr, vous allez voir son visage, donc il est très bon, voilà, regardez, il est très jeune, 96, il a que 20 ans. Donc lui les gars, il a signé 5 ans à l'Inter de Milan, donc il joue à Santos l'année dernière, voilà, c'est officiel, il a signé 5 ans à Inter de Milan. Ensuite les gars, c'est Munir. Donc Munir, le Barça, voilà, il est toutes les années, il le prête et il va encore le prêter une année cette année. Donc ils vont le prêter à Valence. Voilà, il va rester dans le championnat espagnol. Ensuite c'est qui? C'est Tisserand. Donc Tisserand, le défenseur central de Monaco. Bon, Monaco ne le faisait pas trop jouer. Donc Monaco l'a vendu pour 4 ans à Ingolstadt. Donc c'est voilà, c'est en Bundesliga. Donc voilà, il est prêté, enfin il est vendu 4 ans là-bas. Ensuite c'est qui? Ça sera Papadopoulos, le grec, le défenseur du Bayer Leverkusen. Donc lui il est prêté un an au Leipzig. Donc Leipzig c'est un promu qui vient juste de monter en Bundesliga. Voilà, il cherchait un défenseur central. Le Bayer Leverkusen ne comptait plus sur lui. Donc ils l'ont prêté pour un an là-bas. Ensuite ça sera qui? Ça sera Riyad Mahzen. Donc un jeune joueur, hein, regardez, il est 91, donc il a 25 ans. Bon, ça va, il est pas trop jeune non plus. Donc lui les gars, il joue à Tottenham l'année dernière. Donc lui il a été transféré à Hull City, mais Hull City ils ont pas dit combien ils l'ont acheté, ils ont juste dit, enfin j'ai lu l'article, qu'ils avaient cassé sortir dire pour acheter Mahzen. Donc on saura prochainement combien ils l'ont acheté. Donc lui à Hull City. Ensuite les gars, c'est Gamboa. Donc Gamboa pareil, il n'a pas beaucoup, je pense, qu'ils le connaissent, mais lui Gamboa, voilà, il est beaucoup utilisé, tout ce qui joue à FIFA il l'utilise, parce que regarde, c'est un défenseur droit, il a 89 de vitesse, donc c'est pratiquement le plus rapide défenseur droit de Barclays Premier League. Donc lui il a été transféré, il joue à West Bromwich, il a été transféré à Celtic Glasgow, voilà, en Écosse. Donc pour 3 ans il était transféré là-bas. Ensuite les gars, c'est les 3 derniers, et eux plutôt c'est des rumeurs les gars, c'est des rumeurs, peut-être que ça va se faire, comme je dis, reste quelques heures, donc ça peut vraiment se faire. Donc le premier c'est Diarra, donc Diarra, voilà, ça fait pas mal de temps qu'il veut partir de Marseille, il l'a dit en plus. Donc Galatasaray, je crois, ils ont calé l'affaire, ils ont vu que c'était un souci Diarra, parce qu'il fallait payer 10 millions locomotives pour l'acheter, parce qu'il y a une amende, je sais pas, il y a un truc bizarre. Donc maintenant c'est un autre club que Diarra, il fait du pied, voilà, c'est Monaco, il aimerait bien aller à Monaco. Donc pourquoi pas dire à Monaco, ça peut se faire. Ou sinon il va rester à Marseille. De toute façon les gars, il reste quelques heures jusqu'à minuit. Après c'est fini, il restera à Marseille. Mais il peut, voilà, comme je dis, les dernières heures, ça peut aller très vite. Donc il peut aller à Monaco. Ensuite les gars, c'est qui? C'est Andy Delors. Donc Andy Delors, tous ceux qui suivent la Ligue 1, vous voyez qui c'est. C'est l'attaquant de Caen. Enfin moi je le suis bien, parce que je sais qu'il est sacré physique. Donc lui il joue à Caen l'année dernière, et là en fait il a envie de se casser, voilà, il en a marre de jouer à Caen. En fait il aimerait rejoindre Gignac au Tigre au Mexique. Mais bon, pour l'instant Caen, ils ont toujours pas calé l'affaire, ils veulent toujours le garder, mais lui il veut se barrer. Donc je crois, en plus il a vraiment conflit avec Caen pour qu'il parte, enfin, pour qu'il le laisse partir. Donc lui peut-être il sera au Tigre, voilà, ça va peut-être se signer dans les quelques heures qui arrivent. Et le dernier les gars, c'est David Luiz. Donc David Luiz, le défenseur du PSG. En fait voilà, il y a Chelsea qui aimerait le racheter. Donc Chelsea l'ont vendu, je crois, c'était en 2014, voilà, ça fait déjà 2 ans qu'il est au PSG. Et Chelsea aimerait le récupérer. Donc j'ai vu une offre de 45 millions, voilà, que PSG ils ont refusé direct. Donc peut-être, hein, comme je l'ai dit, dans le monde du foot les gars, ça peut se faire très vite. Donc ça se peut que ce soir, voilà, David Luiz il signe. Après comme j'ai dit, les 3 derniers c'est des rumeurs. Donc voilà les gars, toute l'équipe, tout ça c'est des officiels, et les 3 là ça c'est des rumeurs. Donc il y en a encore plein les gars, je vous jure, il y a encore plein de joueurs transférés. Donc si je vois encore qu'il y a pas mal de likes, pourquoi pas mettre une vidéo soit dans la soirée ou sinon demain matin, voilà, des derniers, vu que là, de toute façon, là, c'est les dernières vidéos de transfert, vu que c'est fini. Donc voilà les gars, allez, je vous laisse à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous.